كرم الله وأتى النصر من الله في ربيع كرم الله وأتى النصر من الله يا له شهر عظيم وكريم كرم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Je vais pas faire une conférence. Jazakumullahu khairan, car mon frère, l'Ustaz Abdel Ghani, jazakumullahu khairan, j'ai rattrapé la dernière partie de son discours. Alhamdulillah, il a fait un bon rappel de l'essentiel. Juste un petit mot, puisque nous sommes dans ce petit pavillon, cette tente, réservée à la présentation de l'islam, avec toutes ses publications, et aussi le petit programme qu'ils ont mis en place. Je profite d'ailleurs pour remercier tous les frères et les sœurs qui ont travaillé depuis des semaines pour mettre en place cette activité. J'espère, Inch'Allah, qu'ils vont encore la développer, l'améliorer pour les années à venir. Nous sommes dans cet espace destiné à la présentation, la compréhension, le grand slogan pour une compréhension authentique de l'islam. Et c'est l'essentiel. Vous savez, la religion musulmane, alhamdoulilah, c'est beaucoup de choses, mais il faut toujours se rappeler de l'essentiel. L'essentiel, le début, le commencement, c'est la science, c'est le savoir. Et on le rappelle toujours, le premier verset révélé sur notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est « Iqra », lis, la lecture. Alors nous avons besoin, aujourd'hui, nos musulmans de France, Alhamdoulilah, les moyens sont là pour aller dans la science, dans la compréhension. Car une bonne compréhension de la religion, selon ses règles, ses bases, ça doit nous permettre tout d'abord de vivre bien la religion. Car la pratique, elle doit être fondée sur la compréhension. On ne peut pas avoir une pratique sensée, une pratique fondée, une pratique éclairée, si elle n'est pas basé justement sur le savoir et la connaissance. Et lorsqu'on parle d'une bonne compréhension de l'islam, la règle d'or, c'est le juste milieu, c'est la modération. Évitons les extrêmes, évitons l'excès, comme on doit éviter le laxisme. L'islam est une religion de juste milieu. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit dans ce verset, on aime bien toujours le rappeler, le verset 143 de la sourate 2, sourate al-Baqarah, c'est le verset qui vient en plein juste milieu de la sourate, une sourate qui contient 286 versets, c'est le verset 143, hein, pour personne ne l'oublie. « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ » C'est ainsi nous avons fait de vous une communauté de juste milieu, afin que vous soyez des témoins vis-à-vis des gens. Voilà ce verset qui résume tout. Le juste milieu, c'est de fait, comme j'ai dit, d'éviter l'excès, car nous avons, dans notre histoire, l'histoire de l'islam, dans notre réalité d'aujourd'hui, des musulmans qui ont une bonne intention, mais qui se trouvent parfois, faute peut-être de connaissances, d'instructions, de savoir, un petit peu tentés par l'excès, l'exagération, ou d'autres aussi qui sont plutôt dans la négligence, dans le laxisme. L'islam, ni l'un ni l'autre, c'est une pratique modérée, une pratique facile. L'islam, c'est une religion qui porte le bonheur pour le croyant. Il ne faut pas non plus voir dans la religion la restriction, la difficulté. Au contraire, la religion, c'est ce bonheur, effectivement, dans la vie des sébats et, Inch'Allah, dans l'au-delà. C'est très important, alors, d'insister sur la connaissance, sur le savoir. Le musulman, il passe toute sa vie pour apprendre, pour lire, pour connaître. Et aussi, apprenons à nos enfants de lire, de s'instruire. C'est très important. Et deuxième chose, c'est le témoignage, effectivement. Nous avons la lourde responsabilité par rapport à ce témoignage. Car nous sommes dans une société non musulmane, dans sa majorité, où l'islam, malheureusement, il est mal vu. Cette perception négative de l'islam. Vous avez certainement suivi les dernières, sondages. Bien qu'on a des critiques par rapport à ce sondage, parce que parfois ils sont
un petit peu orienté, la façon de poser les questions, le contexte général. Mais ça montre quand même qu'il y a une perception qui n'est pas la perception qu'on veut pour notre religion. Et ça, c'est malheureux. Parce que nous, on voit que dans notre religion, c'est une religion de paix, de miséricorde, de justice. C'est ça que nous avons voulu montrer cette année à travers la thématique, le message de l'islam, paix, justice et dignité. Mais c'est pas malheureusement, c'est cette vision qui est présente aujourd'hui dans l'opinion publique. Alors, au lieu, comme l'a dit notre frère Cheikh Abdi Ben Ali tout à l'heure, d'aller chercher la responsabilité ailleurs, certainement, il y a une évolution qu'on essaie d'opérer dans la société pour voir l'islam autrement, mais essayons de chercher tout d'abord notre responsabilité. La responsabilité des musulmans, c'est à travers tout d'abord l'exemple qu'on doit donner à partir du comportement. Soyez sûr que le comportement a un impact très important. Donnons un exemple positif. Dans l'histoire, les musulmans ont retenu que l'islam s'est répandu dans des régions du monde, dans les régions du sud-est asiatique, en Indonésie, en Malaisie, etc., où il y a le plus grand nombre. Vous savez, le premier pays islamique du monde, c'est l'Indonésie. Il y a plus de 200 millions de musulmans. Et l'histoire, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ce ne sont pas des do'ats, des prédicateurs qui sont allés faire ad-da'wa et apporter le message, mais c'était des commerçants musulmans qui allaient faire le commerce. Mais à travers leur comportement, les gens, ils ont aimé, admiré l'islam. Et vous avez aujourd'hui le plus grand pays du monde en islam. Alors, on se demande parfois, on est dans la société, essayons de donner l'exemple. L'exemple, c'est le comportement. Mais l'exemple aussi, c'est la réussite, c'est l'excellence. Nous n'avons pas le droit à l'erreur aujourd'hui, à la médiocrité, nous musulmans. Essayons d'exceller dans tous les domaines. Vous savez, aujourd'hui, alhamdoulilah, nous avons bien fêté cette réussite du lycée Averroès à Lille, qui a décroché quand même cette année le premier rang de tous les lycées de France. C'est quand même une première, et ça fait une grande fierté pour les musulmans. Un lycée qui n'a que 10 ans, qui arrive aujourd'hui à devancer Henri IV, Louis le Grand et tous les grands lycées qui ont toujours été en premier rang. C'est, alhamdoulilah, c'est à travers ces exemples-là, cette année aussi, 2012, que vous savez, il y a eu l'élection de la meilleure nounou de France. C'était une femme musulmane qui porte le foulard. Et malgré ça, on veut nous faire sortir une loi encore pour interdire le foulard, même dans les institutions privées. Essayons de rester dans cette efficacité, dans cette excellence, avec la patience, la persévérance. Inch'Allah, nous allons changer les choses vers le mieux. L'islam est un bien pour nous comme pour toute la société. Et comme nous l'avons toujours dit depuis des années et des années, un bon musulman ne peut qu'être qu'un bon citoyen. Car un musulman qui craint Dieu, il essaie de porter le bien pour lui, pour son entourage, pour tout le monde. L'islam encourage les musulmans, et ça aussi le message, c'est le témoignage, à porter le bien aux autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous a parlé de cet homme qui a fait beaucoup de péchés et qui était en voyage très assoiffé, il a trouvé un puits, il est descendu pour boire. En sortant, il a trouvé un chien très assoiffé. Alors il était touché par l'état de ce chien, cet animal. Il est redescendu dans le puits pour ramener l'eau et abreuver ce chien. Et le prophète nous dit, Dieu lui a pardonné tous ses péchés. Les compagnons qui étaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disent, mais prophète, même si on fait un bien pour un animal, on est récompensé? Il a dit oui. Tout bien que vous allez faire pour une foi humide, vous êtes récompensé. Si c'est récompensé pour un animal, que disons-nous lorsqu'on fait un bien pour les hommes? Alors l'islam, c'est la source du bien, de bienfaisance. Essayons d'être dans cette bienfaisance. Et aussi, dernière chose, essayons d'être présents, engagés dans la société. L'année dernière, comme vous le savez, il y avait des élections et le mot d'ordre c'était « Allez-y, participez, votez ». On ne vous donne pas de consigne de vote, mais allez-y, soyez présents. Alhamdoulilah. Il y avait quand même, on a vécu des moments difficiles l'année dernière, il y avait un vote et les voix des musulmans, ce n'est pas un secret aujourd'hui, tout le monde le sait, a fait basculer les choses. Mais j'espère que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui
doivent aussi observer ça, car ça peut changer à tout moment. Nous avons des échéances qui sont devant nous. Les musulmans, allez-y, inscrivez-vous sur les listes et participez, c'est votre pays. Vous avez votre mot à dire, il faut le faire. On est dans une société où il faut peser, qu'on le veut ou pas, pour qu'on soit respecté dans nos droits. Ce que demandent les musulmans, ce n'est pas des faveurs, ni des lois d'exception. Ils demandent tout simplement que la laïcité soit appliquée sur le même pied d'égalité pour toutes les confessions, mais une laïcité de neutralité, de justice, d'inclusion, pas une laïcité d'exclusion. On ne veut pas d'une laïcité anti-religieuse, parce que malheureusement, il faut changer cette donne-là. Pour la changer, il faut rester toujours, persister sur le chemin du bien, et il faut être présent pour peser. Et je dirais à la fin, puisque nous sommes dans ce pavillon pour présenter l'islam, tous ces livres édités à l'occasion, mais aussi subventionnés, il faut le dire, parce que ce n'est pas le prix de ces livres-là, c'est pour encourager tout d'abord la production, que ce soit les traductions des livres intéressants, ou aussi pour écrire et produire. Essayons de répondre à la pensée. Nous avons besoin d'une pensée, comme j'ai dit, de juste milieu, de modération, d'équilibre pour diffuser. Et essayons aussi de produire. Chacun de nous est capable, inshallah, d'écrire, de participer, de faire des articles, de réagir à des articles. Parce que nous, musulmans aussi, on est un petit peu parfois dans la passivité. On voit un article sur Internet, etc. On n'est pas content, on va le lire et on passe. Faites un petit commentaire. Apportez vos mots à dire parce que c'est important que notre voix puisse être audible et qu'on peut passer notre message. Ça demande un effort et encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense tous, inshallah, pour votre présence ici, pour votre soutien, pour votre fidélité et qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense, inshallah, tous les frères qui ont organisé. Et on reste toujours, inshallah, en contact à travers les associations, les mosquées. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup d'activités, alhamdoulilah, qui s'organisent dans les mosquées, les associations, restons toujours en contact, car c'est ce contact-là qui va nous donner toujours cette force, cette énergie pour continuer. Nassallahu alayhi wa sallam wa iyakum, lima yuhubbu wa yarda. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.